Ce mercredi 22 mars 2023, une toute nouvelle épreuve fait son apparition dans Top Chef, sur M6. Les candidats vont faire la découverte de la boîte blanche. Et elle va leur donner du fil à retordre. Une redoutable nouveauté. Ce mercredi 22 mars 2023, la compétition continue avec la 4e semaine de Top Chef, sur M6. L'occasion pour les candidats, mais aussi pour les téléspectateurs, de faire la découverte d'une épreuve inédite, la boîte blanche. Et oui, si depuis près de 15 ans, maintenant, nous sommes habitués à la fameuse boîte noire, dont le principe est de plonger les participants dans l'obscurité totale afin qu'ils ne devinent les ingrédients d'un plat que grâce à leur palais, cette année ils doivent se frotter à sa cousine, pour un défi encore jamais vu dans l'émission. Top Chef 2023, quel est le concept de l'épreuve de la boîte blanche? Pour cette épreuve éliminatoire, le chef pâtissier Yann Couvreur dégustera à l'intérieur de cette toute nouvelle boîte blanche, les desserts réalisés par les concurrents. Et pour cela il procédera en 5 étapes, qui correspondent aux 5 sens de l'être humain. À savoir, l'odorat, le juge aura les yeux bandés, l'ouïe, le bruit de la découpe sera amplifié par un micro, le toucher, la vue et enfin le goût. À chaque fois, il éliminera l'assiette qui remplit le moins bien le critère évalué en particulier. À la fin, seul est le candidat qui aura réussi à satisfaire les 5 sens du chef, lors de la dégustation en immersion dans la boîte blanche, se verra qualifié pour la prochaine semaine du concours. Les autres assiettes seront jugées, anonymement, mais de façon classique par Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Gleneviel et Paul Perret. Une saison 14 de Top Chef pleine de nouveautés. La boîte blanche n'est pas la seule nouveauté de cette 14e saison de Top Chef. Effectivement cette année, Hélène Darroze n'a pas formé d'équipe en début de concours, comme ont pu le faire ses camarades jurés. En revanche, elle donne rendez-vous aux candidats éliminés au fil de la compétition dans son épreuve de repêchage, la brigade cachée. Les participants s'y affrontent dans l'espoir de pouvoir décrocher les manchettes rouges, réintégrer la course lors des quarts de finale et avoir ainsi une deuxième chance de remporter cette édition 2023. Cette semaine, une épreuve totalement inédite attend les candidats, la boîte blanche. Un lieu mystérieux où chaque création devra enflammer les 5 sens. Visage effrayé, hashtag Top Chef. Mercredi à 21h10 en partenariat avec @conibayfr, @rollfrance et @cuisini, couteau, pic. twitter.com/kfvbjhsffj, m6@m6, mars 19, 2023 à lire aussi. Pas vu à la télé dans Top Chef 2023, l'énorme bourde de Sarika qui a causé du tort à Jérémy.